Vous écoutez la story, issue de l'épisode S908 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 31 octobre 2024. La story vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. we are now at the exhibits of the kaminak prize you were awarded this prize could you shortly introduce yourself please my name is kiana hayeri and i'm an iranian canadian photographer and i'm melissa coronet and i'm a researcher uh, on women's rights in afghanistan. pouvez-vous nous expliquer comment vous avez décidé du sujet et combien de temps il vous a fallu pour le réaliser?. so kiana has been working for ten years in afghanistan as a photojournalist and me for seven years. Kiana a travaillé topic. pendant dix ans en Afghanistan, in Afghanistan en tant que photojournaliste for, et moi pendant um, sept we ans. Nous avons travaillé sur le droit des, des femmes dans l'Afghanistan depuis que nous sommes arrivés en Afghanistan. Focus, Chaque année, le prix Carmignac choisit in un thème différent. Pour cette édition, le sujet était le droit des femmes dans l'Afghanistan. Kiana et moi Tiana et moi avons soumis notre projet et, grâce au soutien de la Fondation, nous avons pu effectuer deux voyages de cinq semaines sur une période de six mois pour réaliser ce sujet. Nous avons voyagé dans sept provinces et nous avons rencontré plus de 100 femmes et filles pour raconter leur histoire à travers des photos, mais aussi des vidéos, des dessins et de l'art collaboratif. Tiana, vous, comme photographe, comment avez-vous travaillé là-bas Sous le régime taliban, il est plus difficile pour les femmes de travailler en tant que photojournaliste. C'est mm -hmm. une équation différente pour les femmes étrangères. Nous avons des privilèges project, que les femmes afghanes n'ont pas. Mais l'accès a été fermé October, au moment où nous avons terminé le projet. C'était déjà très difficile et aujourd'hui, en octobre, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait il y a huit mois. Comment avez-vous gagné la confiance des femmes et filles qui ont accepté d'être prises en photo melissa photos tout était basé sur la transparence. Sommes, photos, de de la transparence nous avons expliqué qui nous sommes ce que nous faisons où apparaissent les photos et nous avons aussi essayé de parler de l'importance de partager leurs histoires parce que l'afghanistan est en train d'entrer dans un trou noir médiatique et c'est important de le dire. nous avons essuyé beaucoup de refus pour dix portes auxquelles nous avons frappé. Nous avons probablement reçu un oui, mais cela n'empêchait pas pour certaines personnes de nous parler. Ce ne sont pas seulement des photos, il y a aussi des dessins, n'est-ce pas oui, nous avons vraiment utilisé tous les moyens possibles pour raconter ces histoires. Par exemple, nous avons collaboré avec des adolescents pour qu'ils puissent poser selon leurs rêves en tant que globe-trotteur, pilote ou en tant qu'artiste. Au-dessus de leurs portraits, ils ont peint pour compléter leurs rêves. Aujourd'hui, en Afghanistan, ce n'est que ça, un rêve parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Nous utilisons aussi des dessins. J'ai dessiné beaucoup de scènes, y compris certains endroits où Kiana ne pouvait pas prendre son appareil. Par exemple, les célébrations de mariage. Nous pouvions aller dans la partie réservée aux femmes et voir leurs beaux vêtements, le soin apporté au maquillage, à leur coiffure. Mais cela aurait été impossible pour Kiana à prendre en photo. Donc l'utilisation des dessins a été une bonne alternative et une manière respectueuse de montrer cette réalité. Quel serait le message que vous souhaitez transmettre au travers de cette exposition L'Afghanistan of est sorti du champ médiatique, malheureusement, mais cela ne veut pas dire their que la condition des femmes afghanes and what we est figée. Uh, Nous allons poursuivre notre these travail these qui consiste à raconter leurs histoires en leur donnant uh, un visage humain. Uh, Nous espérons éveiller la curiosité des gens au travers de cette exposition et qu'ils puissent en apprendre plus sur ce qui se passe en Afghanistan et rester curieux même si le pays est sorti des radars de l'actualité. Merci beaucoup à nous deux. Merci. Où bon, est-ce qu'on peut la voir, cette exposition, Benjamin Alors déjà, c'est gratuit. Donc vraiment, si vous êtes de passage à Paris, que vous voulez voir de belles images, et bon, c'est... Un sujet qui est euh, difficile, hein, euh, la situation, le droit des femmes et des euh, jeunes filles en Afghanistan depuis le retour des talibans, donc euh, depuis que les talibans ont repris le pouvoir en, en 2021, c'est pas non plus euh, du feel good, mais euh, je veux dire c'est très documenté, euh, c'est des images que, que tout le public peut voir, il y a des, des dessins qui sont magnifiques, et ça se situe donc au réfectoire des Cordeliers, c'est rue de l'école de médecine, en plein Paris, le, le, okay. le cadre est sublime, la scénographie est fantastique aussi. Ça a été conçu un peu comme des petites maisons closes. On se met un peu à la place de ces femmes qui vivent réellement dans leur intimité. En fait, elles peuvent s'exprimer. Depuis août 2024, il y a de nouvelles lois qui sont passées qui interdisent aux femmes même de s'exprimer, de parler dans les rues, et elles sont obligées de porter des masques. Donc, bon, c'est un sujet qui remet un petit peu de lumière sur cette région du monde. Alors, on parle beaucoup à juste titre et de ce qui se passe dans la bande de Gaza, dans le sud du Liban, euh, en Ukraine, etc. Euh, le, le travail donc de, de cette photojournaliste et de, de cette jeune chercheuse française qui s'exprime là en anglais parce qu'on on a mis tout le monde sur à pied d'égalité, euh, bah, mérite vraiment d'être vu. Bon, euh, Tine, tu, tu fais beaucoup d'expositions, tu en regardes beaucoup, tu as la chance de voyager souvent. Euh, Est-ce que t'en profites pour euh, arpenter les, les galeries et les musées Ouais, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à la photo, euh, c'est vrai qu'il y avait euh, deux pardons. J'adorais euh, son rendu de noir et blanc. Il est toujours vivant. Que... Hein. Ouais, je. <rire> <rire> non, mais je veux dire, à l'époque, il y avait eu deux pardons qui m'interpellaient qui pas mal. Donc, c'est ouais. vrai que quand je regardais ses photos, etc., bah, c'est vrai que son noir et blanc, bah, ça m'interpellait. Euh, après, euh, en fait, euh, ouais, les, les expos, euh, souvent, enfin, c'était vraiment au début euh, que quand j'ai commencé la photo, j'étais vraiment dedans pour m'inspirer, pour comprendre les codes, pour savoir, en fait, euh, en fait ce que c'était réellement. Et donc, euh, le, le regard du photographe. Donc, c'est vrai que c'est un peu euh, plus dans les 4-5 premières années où j'étais dedans. Aujourd'hui, c'est vrai que je prends moins le temps de, de faire des expos. Euh, en fait, quand j'ai du temps libre, que je suis en train de voyager, que je bosse pas, bah, je vous avoue, j'ai envie de déconnecter de la photo. En fait, il y a tellement en fait, de choses qui se passent sur Internet. Et on va dire que en fait, ce qui m'inspire dans la photo, c'est pas forcément le regard d'une personne, mais le regard de tout le monde. En fait, tu je peut avoir des, des gens qui ne sont pas photographes. Et, et du coup, euh, bah, vu que je suis vraiment plongé un peu dans le digital, je vois des trucs qui sortent et je me dis, waouh, en fait, euh, c'est intéressant de voir que des gens qui ne sont pas photographes ont un regard qui mmh. peuvent euh, m'interpeller. Et, euh, et ça m'inspire, en fait. Donc, euh, et, et souvent, c'est vrai que bizarrement, ce qui m'inspire le plus dans la photo, c'est pas de regarder les photos, mais c'est regarder des films, en fait. Euh, en fait, quand il y a des films et il y a des choses qui se passent, en fait, il y a un moment qui m'interpelle et qui me dit, waouh, en fait, ce moment-là, en fait, à, à ce passage-là. Ce mouvement, ce moment précis où la caméra passe, en fait, c'est là où j'aurais cliqué. En tu fait. aurais un exemple, là, comme ça, là, à chaud Ouais, euh, bah, par exemple, quand j'avais regardé Django, le film, ouais. euh, et tu vois, il y avait des paysages, etc., il y avait des cinématiques. Celui Puis, de Tarantino, hein, parce qu'il y a un Django des ouais, années 60 celui aussi. Celui de Tarantino, euh... exact. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, bah, en fait, pendant ce film-là, eu, j'ai pas arrêté d'avoir des moments où, waouh, en fait. Tu vois, visuellement, ça, 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 ça m'interpelle. Et, et c'est là où je me rends compte que fin, où je me dis, ouais, le film, il, il est incroyablement beau. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu hier, pareil, je regardais le conte de, le, de, le de Monte-Cristo. Avec Pierre Ninet. Et, ouais, avec Pierre Ninet. Et, et, et pareil, tu vois, il y a des moments où je me dis, Waouh, en fait, euh, ce moment-là, euh, la lumière, euh, la manière comment c'est cadré, bah, j'aurais cliqué à ce moment-là. Là, je ne pourrais pas te décrire exactement à quel moment, mais tu vois, c'est le genre de réaction que je peux avoir quand je regarde des films. en fait. Mmh. Bah, la photographie, c'est un métier à part entière du cinéma. Hein. De toute ouais. façon, des mecs comme Coppola dans Apocalypse Now ou Le Parrain, avec euh, des grands chefs opérateurs, euh, ont souvent dédié même euh, leurs films à ces gens-là parce qu'ils ont imprimé justement une, ouais. une certaine lumière, une certaine atmosphère. Quoi. Donc, euh, le métier de chef op, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Alors, tant qu'on en est à parler de, 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 de films. Je sors un petit peu du, euh, du sujet, mais euh, je pense comme beaucoup de personnes, euh, j'ai regardé le, la série de documentaires sur DJ Mehdi euh, qui a été produite euh, produit par Arte, qui raconte une partie euh, de, euh, de l'histoire du, euh, du hip-hop en France en l'occurrence. Est-ce que tu as comme ça là, quelques, euh, quelques rêves de documentaires ou de films qui pourraient être intéressants de, de voir ou d'avoir vu pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de hip-hop et de tout ce qui gravite autour de ça. Ouais carrément. En fait, pour moi, l'histoire du hip-hop en général, du break, c'est en fait, c'est il y a deux. Pour moi, il y a deux, vraiment deux histoires. Il y a l'histoire qui est interna... enfin globale, internationale. Donc en fait, c'est l'idée par un peu tout ce qui est la scène américaine dans le Bronx. En fait, le break mmh. a commencé dans le Bronx. Le hip-hop ouais. a commencé, c'est là-bas. Et euh... donc pour moi, en fait, euh, si tu regardes les films comme euh, Break Street ou euh, Wild, euh, Wild Style, en fait, c'est des films euh, en fait iconiques de l'époque avec le break. Donc, en fait, tu vois un peu comment a été créée euh, cette euh, rivalité entre euh, différents groupes. Euh, et tu vois, en fait, pour laquelle, pour quelle raison, en fait, on, on est passé dans le break. C'est pour euh, entre guillemets s'affronter entre guillemets en soirée euh, pour éviter un peu la violence. Et euh, donc, c'était un peu euh, ça le but. Après, euh, tu vois, en France, on a une autre histoire également. Euh, pour moi, l'histoire du, du break en France, elle est aussi super intéressante parce que, pour moi, euh, à part les États-Unis, en fait, la seconde nation où l'histoire était très importante, c'est la France. Okay. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi cet engouement vers les JO parce qu'en termes culturellement, il y avait vraiment un sens. Euh, voire plus de sens qu'au final, euh, qu final les États-Unis parce qu'au final les États-Unis reprennent pas le break donc euh, oui ils sont pas euh, à Los Angeles 2028 hein. exactement donc tu vois pour moi ça aurait du sens d'avoir le break là-bas parce que c'est vrai que ça vient de là-bas mais euh, on sait, en fait on s'est accaparé une culture on a eu des connaissances on a voulu faire pareil enfin il y a plein de, de choses qui font que bah tu vois en France par exemple il y a les documentaires qui m'avaient marqué il y avait un documentaire qui s'appelait euh, faire kiffer les anges Mmh. Où c'est là que tu, tu vois en fait l'intérêt euh, des, des, en fait, des, des mecs de quartier à danser en fait. Donc en ouais. fait, on, on te raconte un peu cette histoire. Et moi, quand j'ai vu ce documentaire, pareil, ça m'avait interpellé. Je, en fait, je commençais le break à ce moment-là. Et euh, tu vois, ça m'avait, pareil, transpercé. Je me suis dit, waouh, en fait, ça, je me reconnais totalement dans cette culture. La, pour moi, en France, c'est la, la culture du quartier quelque part. Tu vois. Euh, aux États-Unis, donc, il euh, y avait un. Comment ça s'appelle Il euh, y, y a une série sur Netflix qui est passée, je ne sais pas si elle existe encore sur Netflix, mais ça s'appelait The Get Down. Euh, donc en fait, ça a été une série qui, donc, qui se regarde un peu en mode euh, des belles images, très vintage. Okay. Euh, tu vois, il recrée un peu euh, l'histoire euh, du hip-hop euh, et du break. Donc en fait, avec. Euh, très caricatural, tu vois. Donc en limite, c'est un peu euh, limite scénarisé euh, et euh, on va dire un peu rembelli pour l'aspect du cinéma. Euh, donc c'est pas la vraie histoire, mais euh, tu vois, tu comprends euh, en fait comment tout s'est calé parce qu'en fait, il t'explique dans le film, euh, euh, tu vois, un peu comment le break est arrivé, comment euh, Cool Herc le DJ a créé le premier break, tu vois, euh, pour créer, on va dire le, tu vois, en, entre guillemets, c'est un peu le, le premier DJ à avoir euh, lancer cette vibe dans, mm -hmm. dans les soirées là-bas, tu vois. Donc euh, ouais, il y a plein de films comme ça. Après, euh, voilà, pour moi, euh, moi c'est vrai que Break Street, ça a été un peu une révélation à l'époque. Mais euh, tu vois, le break, euh, en fait, avait déjà... Enfin, tu vois, ce, ce film-là, et je pense, est sorti en... Parce que le break est arrivé en 84. Je ne sais pas quelle est la date réellement du film, mais euh, tu vois, il représente vraiment cette, euh, cette ère, en fait, entre 80 et 84. On a bien digressé par rapport ouais, on est un peu sorti euh, du sujet. sujet ouais, mais c'est ça... Cool, ça, ça le voyage aussi. Et c'est cool. Et c'est pour ça qu'on est euh, aujourd'hui au micro avec toi pour parler du breaking et on va en continuer. Juste un mot pour dire aussi, pour revenir à l'exposition, qu'une seconde expo est prévue sur le même boulot, euh, en extérieur, euh, okay. sur le port de Solferino, en face du euh, musée euh, d'Orsay. Euh, on a vu tes images aussi en extérieur avec euh, la mairie de Paris, on va y revenir. Euh, donc, euh, du 31 octobre au 18 décembre.